Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Madgen. Aujourd'hui, on se trouve pour un nouvel épisode de Minecraft Play for You. J'allais dire survie Minecraftienne. Enfin, bon, dans le temps, dans quelques secondes. Attendez, ça gueule un peu trop dans mon casque. Là, ça va un peu mieux. Bon, du coup, on se retrouve pour un nouvel épisode de Minecraft Play for You. Et donc, la semaine. Enfin, non, il y a 2 semaines, je ne me rappelle plus du tout de ce que j'ai fait. J'avais dû partir dans les grottes. Il me semble que j'avais accompli quelques missions, mais qu'il m'en restait encore une. C'était la pomme en or. Non, la pomme en or est déjà faite. Le gâteau est fait. L'armure full. Écoutez, on va aller voir notre plateau de mission en haut pour aller se donner une idée de ce qu'il nous reste à faire. Est-ce que je suis bien centré? Oui. Pourtant, il me semble que je baisse un peu ma tête. Bon, c'est pas grave. Si ma tête est un peu coupée, je verrai. Sinon, oui, il faut que je lance mon compte à rebours avec Google. Parce que maintenant c'est devenu mon ami. Ok Google, lance le compte à rebours. 10 minutes. 10 minutes. Non, c'est pas 1 minute, merci Google, mais c'était gentil de. Bon, enfin bref, je l'ai mis manuellement, ça me saoule. Oui, donc tout en haut, le plateau. Tout de suite, peut voler, c'est parfait. Je pense que j'avais déjà prévu mon coup. Qui sait, hop, c'est parti. Donc là, le soleil est bientôt en train de se coucher. On a toujours les animaux bizarres. On avait par contre utilisé 2 jokers. Il nous en restait un et après, c'est la mort assurée. Donc il me reste à faire 4 missions, donc pas beaucoup. On va s'intéresser à la forteresse à 4 tours avec le petit jardin au milieu. On va s'intéresser aussi au cimetière pour 8 abonnés. C'est vrai qu'on avait commencé aussi à creuser juste en face. Il me semble que c'était... Voilà, c'était dans ce trou-là. Alors, ce que je vais vous proposer de faire, c'est que... Pour la nuit, on va dormir, tout simplement. Moi, je propose qu'on dorme, parce que je ne vois pas d'autre solution. Il n'y a pas autre chose à faire, à part dormir. Donc, dormir. Le lendemain, je vais miner. Ensuite, je fais ma forteresse et peut-être que je ferai en même temps mon cimetière, je ne sais pas. On va voir tout ça. On va dormir un petit peu. Par contre, je me rappelle plus comment on fait pour arriver à avoir une terre battue. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Il me semble que c'est avec une pelle. Attendez, je vais m'entraîner un petit peu pour voir qu'est-ce que ça donne. Je pense que c'est juste avec un petit coup de pelle et ça le fait. Alors attendez. Oui, c'est ça. Ça fait la terre battue. Ça fait un petit chemin. Tiens. Ça peut être sympa. Comme ça. Oui. Voilà. Ça fait un petit style. Hop. Enfin bref. Je m'éclate tout seul. Comme d'habitude. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait la terre battue. Il n'y a pas plus de questions. C'est très bien. On va miner, on a dit. Est-ce qu'on a tout ce qu'il nous faut déjà pour miner? Non. Il nous manque la pioche. J'avais fait une bonne réserve de pioches. Alors ici on en a une, est-ce qu'on en a d'autres? Non, il nous faut une épée aussi, est-ce qu'on a une épée? On va prendre un arc, l'arc c'est assez important finalement. Donc il va falloir une épée, des torches. Après je ne vois pas autre chose. On pourrait aller en mettre déjà un petit peu de la pierre. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on a déjà un arc. C'est pas grave, on va garder lui parce que l'autre il est bientôt mort. On pourrait peut-être faire des flèches, mais avec 4 je pense que j'en aurai assez. On a donc une épée, et voilà, mais je pense que c'est bon. On va pas prendre la pomme en or, ça peut être risqué. Mais sinon je pense que c'est bon, hein. on a fait nos provisions pour pouvoir partir. C'est ce qu'on va faire, on va y aller. On a tout ce qu'il nous faut. C'est parti. Est-ce que je suis équipé? Oui, j'ai juste besoin d'un torse, mais c'est pas grave ça. Il n'y a pas de souci. Ah, je sais qu'est-ce que j'ai oublié, comme d'habitude. J'oublie tout le temps quelque chose, ce soir, avant de partir creuser. Elle est où la porte? Où la porte? Ah! C'est les torches. Est-ce qu'on a déjà des torches préparées? Il me semble pas. On en a juste une. Ça va pas nous être d'une grande utilité, on va faire des bâtons. Par contre, ma question est désormais, est-ce que l'on a assez de...
Enfin, dans les coffres, est-ce qu'on a du charbon? Est-ce que ça pourrait être d'une utilité assez grande? Je n'en vois pas. Je pense qu'ici on en a assez, on va en prendre la moitié. On va faire nos torches, de toute façon on en aura assez. Oh là oui! Bon, c'est bon, on peut partir à l'aventure maintenant. Avant que le soleil se couche. C'est parti! Allons-y, let's go! C'est parti, les amis! Donc, nos principales missions là, c'est actuellement de creuser, d'arriver à trouver du diamant, peut-être. Ensuite, autre objectif, peut-être. Qu'est-ce que je voulais faire aussi? Alors là, on avait une grotte. Hein. On a dit que la grotte, on ira y voir plus tard. Que le principal problème actuellement, c'était de. C'est vrai qu'on avait ça. Ok, d'accord. Ok, ok. Je propose que l'on bouge tout ceci. On va prendre un peu de pierre. On va la mettre à la place des carottes. J'ai peut-être pas pris assez d'aliments. Je suis en train de penser. C'est pas grave. Quand on commencera à avoir faim, on remontera. Voilà. Ça, déjà d'une, c'est beaucoup plus. Beaucoup moins risqué en faisant comme ça. Bon, là, on risque rien. Je ne crois pas. Ok, d'accord. Alors. Comme ça. Comme ça. Et là, on va en prendre un petit peu. Ouais, d'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Hein. Pour le moment, on va essayer de rester le plus calme possible. On va boucher au maximum les entrées de lave. Ok, donc là, on avait pas mal de... Nani ? Omae wa mou shindeiru. Mais d'où il est sorti? C'est vrai que là-haut c'était débouché. J'ai eu de la chance. J'ai eu une chance fabuleuse de voir qu'il était tombé le coco. Oh là là! Ok. Donc là, va falloir faire gaffe. On a un squelette dans les abords. Et on a une gigantesque retombée de lave qui s'est ouverte à nous. J'ai faim. On va manger un petit bout. Ok, c'est fait. Je vais creuser un petit peu pour essayer d'avoir maximum de la pierre afin de reboucher cette lave. Ok, non, j'allais dire, pas grave, on va aller le chercher quand même. Est-ce qu'elle va avancer plus? Je ne pense pas. Voilà. Ok, donc là, va falloir commencer à faire gaffe. Ok, donc là, on va essayer peut-être de boucher. L'icône des chauves-souris. Ça fait peur. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, alors là aussi c'est à boucher. J'ai l'impression qu'on a quelque chose de particulier en haut. On a comme une entrée, un truc bizarre. Je vais aller voir ça tout de suite. Mais avant, je sécurise au maximum les lieux. Parce qu'il n'y a rien de plus risqué de s'aventurer dans un endroit avec de la lave. Oh! Oh! On en a trouvé enfin! On a du diamant! Oui! Oh! 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 Oh, ça c'est merveilleux! On a enfin du diamant! Il y en a tout juste ce qu'il nous faut! Mais c'est fabuleux! C'est merveilleux! C'est fantastique! Ok, donc plus besoin de s'aventurer dans cet endroit maudit, on s'en va tout de suite. Au revoir, merci, bonsoir. Au revoir. Ouh, j'ai eu peur. On a enfin du... Qu'est-ce que c'est là? Non, c'est à droite. J'ai eu peur. Ah, on a enfin du diamant. Je suis trop content. Je suis au paradis. Maintenant, il va falloir qu'on retrouve de l'obsidienne.
Mais avant, on va aller s'occuper de notre forteresse. Ah, enfin, on en a trouvé. Ah, je suis content. Ah, pardonnez-moi, je vais mettre en pause parce que... Ah. Alors, attendez, on a quelque chose d'exceptionnel. C'est Google qui revient sur ce que l'on a dit. Et donc, il m'enregistre et parle. Bonjour, comment puis-je vous aider? Donc, besoin de ta voiture et dans cet endroit maudit, s'en va tout de suite, envoie merci, bonsoir. Voyons, qu'elle m'a marqué. 6 citations de film. Oh, ça c'est bien. Il nous reste 51 secondes. Je vais attendre parce que j'ai besoin de me moucher un petit peu. J'ai peut-être. Ça s'entend peut-être à la caméra, j'ai un peu. Je vais me boucher. Ah, ça c'est vraiment cool. Ça, je ne pouvais pas rêver mieux. Tomber sur un filon de diamant. Au lieu de rentrer dans cet endroit maudit. Ah, mais ça, c'est super. Waouh. J'adore. Donc, diamant. Diamant, faut tout de suite faire notre... Je connais un lac de lave sans sortir spécialement dans une mine, ce qui pourrait être risqué. On va tout de suite aller le retrouver. On a notre pioche en diamant, enfin. Depuis le temps qu'on l'attendait. Alors tant qu'il fait jour, après on s'occupera de la pierre après. Mais pour le moment, on va essayer de retrouver le lac de lave. Alors c'est mieux d'y aller avec le cheval. Quelle heure il est? Le soleil est un peu en train de se coucher. Je vais essayer de voir quand même. Bonjour, je viens de te récupérer. Merci. On va essayer de trouver ce lac de lave, mon petit. Il me semble qu'il était plus sur la gauche. Il était là-bas. Ok, là on a un lac normal. Il m'avait semblé voir hein, ce lac de lave hein, quelque part dans le coin. Ça serait peut-être plus repérable pendant la nuit, mais malheureusement je ne le vois pas. Je suis pas content. Ok, donc là on a pris un peu de hauteur. Oh, on a une banquise là-bas. C'est intéressant. Le jour. Ah, le voilà. Ok, d'accord. Je savais très bien qu'il y avait un lac de lave. Donc, au petit jour, on viendra avec des seaux d'eau. Parce que là, c'est risqué. Et aussi prendre... Aïe, tout de suite. J'ai eu peur. Non, là, j'ai pas trop eu peur. Je n'assume pas du tout, en fait. Voilà, donc là, on va rentrer. On a retrouvé le lac de lave, c'est super. On rentre pour s'abriter un petit peu. Aïe. Non, non, je ne souhaite pas remonter. Putain, mais arrêtez de vouloir... Mais arrêtez, je me fais mal en plus. C'est pas très intelligent. Voilà. Alors mon beau, on va t'attacher. Et ensuite, il va falloir que je délaisse mes affaires. Hop, on aurait dit un bruit de paix. Alors madame la poule, est-ce que vous avez... Mais vous ne faites pas votre travail, je vais vous tuer pour faire avoir de la viande, madame. Au pire, si je suis en manque de viande, j'aurai tout le temps quelque chose pour me ressourcer. Petite poule, ça fait toujours du bien. Est-ce qu'on peut laisser des gens? Non, est-ce qu'on peut laisser des objets? Oui, ça, 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 ça. Ça, on va garder. Les bâtons. Si, les bâtons, on peut en mettre quelques-uns. Les torches, on va les garder. Ok, donc on va aller voir l'autre. Voilà, merci monsieur. Alors on va laisser ça, ça. Les torches, on n'en a pas spécialement besoin. Ça non plus. Pioche en fer. Ben, de toute façon, dès que le soleil se lèvera, on va aller tout de suite faire notre truc en obsidienne. Enfin, aller chercher notre obsidienne. Pourquoi ça sonne pas? Eh, mais oui, mais si tu sonnes pas, Coco. Les gens, je reprends l'enregistrement. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une grosse connerie. Dans ma vie, ça m'arrive. Ça m'était déjà arrivé dans Survie Minecraftienne. J'ai mis en pause et j'ai oublié de rallumer l'enregistrement de Laveur Media. Donc vous avez juste l'enregistrement vidéo. Et ça, c'est vraiment con. Oh merde, je suis vraiment désolé les amis. Je ne sais même pas comment je vais pouvoir faire mon montage. Je suis vraiment dégoûté.
Donc ce que j'ai fait, je me rappelle même plus où j'ai dû couper à la mine. Enfin, j'ai retrouvé le diamant. Je suis vraiment dégoûté. Mais je voulais dire que j'ai fait absolument aucune tricherie. Si vous avez pas vu, je suis vraiment dégoûté hein, de ce que j'ai fait. J'ai fait une grosse connerie, je sais. Et j'ai ensuite ramassé cette obsidienne. Je suis vraiment dégoûté. J'ai essayé de vous mettre les plus gros moments, mais bon, la vidéo risque pas d'être de pas être très longue du coup. Mais je suis assez dégoûté, même beaucoup. J'ai essayé de vous mettre juste les moments de la vidéo et puis c'est tout. Hein. Ah, je suis dégoûté. Bon, dans 2 semaines, vous aurez un épisode un peu plus concret. C'était Madgen, bye bye. Ça y est, il repart dans son délire là. Non, stop, c'est ça que j'aurais dû prendre. De toute façon, ça c'est obligatoire, il fallait que je le fasse. Ouais, mais toi je le sens, regardez-le faire là. Il va partir là. Viens là. Putain, mais il est affreux ce cheval. Hein. Il est affreux. C'est une peste. Hein. J'ai oublié en plus de prendre de l'eau. C'est formidable. D'où vous avez déjà vu qu'on prenait un cheval en laisse. C'est une calamité, quoi. Ça, pardon, je me suis fait peur en plus. Excuse-moi, mais bon, tu le mérites d'un côté. Je suis sensible aujourd'hui. On va récupérer ce qu'il nous faut pour le never. Et on ira y faire un tour. Ouh, aïe, 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 aïe. Bon, peut-être dans le prochain épisode, on va essayer de faire la forteresse. Dans le prochain épisode, on va s'y consacrer un peu plus de temps. Parce que cet épisode était consacré surtout aux missions du Never. Oh, putain, mais oh, Mathis, fais attention, tant de Dieu. Sur ce, on va se quitter ici avec un cheval complètement taré qui a essayé de bouffer un rosier. Voilà, allez. Sur ce, c'était Madgen. On se retrouve dans 2 semaines pour construire le Never, pour faire la forteresse, enfin du moins pour la continuer. Peut-être le cimetière des 8 abonnés, je ne sais pas. Sur ce, on se retrouve dans 2 semaines. C'était Madgen. Bye bye.